Bonjour, bonsoir avec tout le monde qui a regardé la vidéo. Ça, moi c'est adorateur Bertin d'Orville-Mort. Donc nous contents pour nous capables ensemble jeudi à pour nous capables porter morceau parole bon Dieu pour nous. Donc parole bon Dieu jeudi à nous jeunes, c'est dans Jean chapitre 3 verset 16. Donc il y a un verset que moi-même avec nous habitué avec lui certainement, mais m'a dit que nous pas jamais habitués réellement avec la parole de Dieu. Donc, on est capable de connaître un verset ou réciter très souvent, mais ça ne veut pas dire pour autant que ou habitué avec la parole de Dieu. Donc, même si c'est un texte que ou habitué réciter, ou habitué lire, qu'on n'est pas au cœur, donc respect que vous gagnez pour parole là, libre toujours capable de mûrir. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je relis le verset, Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas si tout à l'heure, en pile monde capable habitué avec verset ça et capable souvent répéter verset ça. Mais je dis, nous voulons prendre un petit temps pour nous parler sous verset ça. Nous voulons prendre un petit temps pour nous partager parole ça ensemble avec vous. Et particulièrement, nous voulons adresser nous avec Sila qui peut connaître Jésus-Christ comme sauveur et maître. Donc, ou même qui a regardé des vidéos ça, qui peut-être gagné Jésus déjà, nous encourager au capable partager vidéo ça avec un monde qui pourquoi gagner Jésus-Christ dans la vie. Donc détail livre ça nous peut-être pas pas rentrer dans détail livre là. Donc nous connaissons livre ça, l'hypothèse non monde qui était écrit livre là, c'était Jean qui était écrit livre ça. Donc Jean c'était un disciple que Jésus bien un apôtre que Jésus lui-même il était gagné. Parce que certaines fois, on fait différence entre disciples et apôtres. Donc, un disciple, c'est un élève. Un élève, il vient de un mot latin qui c'est discipulus. Donc, il veut dire élève. C'est un monde qui suit un monde. Il y a un monde qui imite un autre monde. Alors, ce que apôtre, il veut dire envoyé. Envoyé qui est différent de disciple. Donc, c'est ça que fait Jésus-Christ dans son parcours ministériel, donc il était choisi 12 apôtres, mais Jésus t'a gagné un kyriel de disciples, il t'a gagné une quantité que nous pas capable de définir de disciples, mais il t'a gagné 12 apôtres. Donc c'est apôtre Jean qui écrit le livre ça que nous lit pour voir, et Jean lui écrit plusieurs autres livres, donc que nous pas pouvoir rentrer dans le détail ça. Donc car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou même qu'il a tendé, qu'il a gardé dans la minute ça. Que vous avez une crise déjà, que vous n'avez pas de crise déjà, vidéo ça l'est adressé à vous-même. Message ça l'est adressé à vous-même. Et surtout, ou même qui pour qu'on connaisse crise déjà. Moi, je veux dire que Jésus l'y remet. Et c'est exactement ce que nous dit ce verset. C'est parce que bon Dieu lui-même, il tellement remet le monde. Bon Dieu n'a pas dit que il remet une catégorie et il n'a pas remet une autre catégorie. Dieu a aimé le monde. Donc, le monde, c'est tout le monde en général. Donc, il n'a pas fait exception de personne. Quel que soit mode de vie que vous menez actuellement, moi je veux que ou qu'on est que bon Dieu remet. Quel que soit gens t'es capable de la vie apparaître compliquée pour vous, moi je veux dire que bon Dieu remet. Donc ou gagne ouais façon peut-être des actions que vous capable commettre. Ou gagne ouais de mode de vie que vous menez, ou cap pose peut-être question. Certes, il dit que bon Dieu remet tout le monde, etc. Mais est-ce que moi-même, je fais partie de lui? Par rapport avec crime que je commets déjà, par rapport avec des meurtres que je fais déjà, est-ce que bon Dieu toujours remet? Moi, je voulais faire connaître, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Peu importe l'état que vous êtes capable de
peu importe mode de vie que vous êtes capable de mener, bon Dieu remet on. Bon Dieu remet on. Et li avec deux bras l'ouvri, l'attente ou seulement prend la ferme décision pour remettre li la vie ou. Donc, si il y a un bagage que vous devez faire aujourd'hui, c'est prendre décision remettre Jésus-Christ la vie ou. C'est prendre décision accepter Christ comme sauveur, comme maître. Et tout ça a été fait dans le passé, ou pas besoin de mettre accent sur ce qui a été fait dans le passé. Bon Dieu lui-même l'a géré, l'a réglé toute bagaille. Peut-être qu'il y a un monde qui a attendu, qui a dit certes. Bon Dieu lui-même. Mais il y a souvent dit que l'amour demande action. Et c'est ça qui fait dans le verset ça. Bon Dieu posait une action par rapport à son amour pour l'humanité. Dieu pose une action par rapport à son amour pour l'humanité. Qui action bon Dieu pose? Bon Dieu bail son unique fils. Seul petit lit Jésus-Christ. Bon Dieu bail lit pour mourir, pour sauver l'humanité. Pour sauver moi-même avec vous. Moi-même, je réponds avec appel là déjà. Je remets Jésus-Christ la vie. Donc, je suis capable de chanter pour me dire que je suis sauvé, je dis. Ya. Donc, ou même si on peut remettre Jésus-Christ la vie. Donc, c'est le moment. C'est le moment favorable. C'est le moment opportun pour capable remettre Jésus-Christ la vie. Pas dit que vous avez temps pour faire ça demain. Pas dit que vous avez temps pour prendre décision ça. Parce qu'on ne peut pas connaître demain, si Dieu veut, qui ça, ça capable de bailler. Et à ce propos, on a cherché un texte qui parlait de ça, qui dit que dans Proverbe 27, verset 1er, la Bible nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27, verset 1er, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ou vive jodia, c'est jodia ou ouais, c'est li ou qu'on est, ou pas qu'on demain. Et si vous regardez des vidéos ça, notamment de qui ça capable passer plus tard. Moi t'a posé une petite question, moi t'a dit ça capable passer demain. C'est certain que ou pas capable dire exactement ça capable passer demain. Donc puisque ou pas qu'on dit ça capable passer demain. Bon Dieu qui ramène, qui prouvait l'amour pendant que le bail Jésus-Christ pour capable de sauver. Donc c'est le moment pour remettre vie à Jésus-Christ. À nous prier, mon Dieu, ensemble. Seigneur, nous te remercions. Nous te disons merci pour ta parole. Merci pour chaque monde qui a une chance pour garder cette vidéo. Merci pour chaque monde qui partage. Et dans ce là qui garde, qui partage, il y a qui connaît déjà comme sauveur et maître, n'a demandé aucun béo la caille, aucun béo dans la présence. Et si là vous regardez cette vidéo, ça qui pour qu'on connaît comme sauveur et maître, permettre que le Saint-Esprit capable de convaincre. Et si tu as quelqu'un qui était dans la ligne, qui était chuté, que vous capable de reprendre place. Et tout ceci pour ta gloire et pour ta gloire seule. Amen. Merci beaucoup. C'est votre frère adorateur Bertrand Villemort. À très bientôt.